c'est une invitation un peu particulière ce soir, vous le savez, puisque le CDRT fête ses 5 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 5 ans, on était probablement peu nombreux à se dire qu'on se retrouverait ici avec plus de 100 adhérents. Et puis vous voyez que là, pour les 5 ans, on est dans ce magnifique cadre de la Maison des Polytechniciens. On a fait plusieurs dîners, des interventions à la Cloud Week en juillet dernier, des dîners sur Paris, également sur Aix, sur Lyon. L'idée de départ du CDRT, c'était il y a 5 ans, effectivement. On voyait qu'il y avait une convergence technologique avec la téléphonie qui devenait une application informatique, mais il n'y avait pas une convergence des hommes. Donc voilà, 5 ans après, on voit bien qu'il y a un équilibre entre éditeurs, opérateurs, intégrateurs. Donc tous ces métiers, toutes ces frontières ont explosé. Et ça, c'est intéressant parce qu'à travers le CDRT, on le voit vraiment. Pourquoi avons-nous fait un livre blanc sur l'arrêt du RTC ? Eh bien, c'est au fil des discussions avec Stéphane, Philippe, on s'est dit qu'il manquait un degré d'information, et notamment au niveau des clients, et que pour avoir ce degré d'information au niveau des clients, il fallait faire un document un peu de référence qui dise un peu ce qu'est l'arrêt du RTC et quel serait l'impact probable. Voilà, c'est nos 5 ans. Les administrateurs sont là, vont souffler nos bougies. Allez, bon anniversaire. 2, 3, 4, 5. Ouais ! Bravo ! Bravo ! On va fêter aussi notre 100e adhérent. On est heureux de vous annoncer ce soir que le 100e, c'est la société Options Télécom. Et je vais demander à Pierre-Antoine Kern de venir. Voilà. On a prévu un petit cadeau à Pierre-Antoine. Et on a un petit peu parlé d'Itantia ce soir, mais on a parlé plutôt de la partie télécom d'Itantia. Il faut savoir que Yann Pinault, donc le fondateur, a aussi investi dans un domaine viticole, le château de l'Escarel, qui est le vin qui est à votre table ce soir, et que j'espère que vous avez apprécié. Et du coup, le cadeau, c'est tout simplement le poids de Pierre-Antoine en vin. Vous êtes ruinés.